Prochainement dans Ici tout commence sur TF1, Tessier, Benjamin Baroche, a remporté l'étape de sélection pour le championnat national de pâtisserie. Ainsi, en cet été 2022, il devra concourir face à des grands noms comme son mentor et ennemi Annabelle Cardone, Alexandra Van Der Noot. Le concours n'aura pas lieu à l'Institut, mais à l'Hôtel Beaumont. Un établissement dirigé par Philippe Delobel, Joseph Malherba, le père de Greg. Noémie, Lucia Passaniti, fera également son retour à l'occasion de ce concours. Nouvelle tempête pour Greg et Elliot dans Ici tout commence sur TF1 dans une interview accordée à Allociné, dans le cadre du Festival de la télévision de Monte Carlo, Michael Mittelstadt, l'interprète de Greg, a dévoilé quelques éléments sur l'intrigue concernant lui et Elliot pour cet été. Il évoque les retrouvailles avec son père. Philippe Delobel sera de retour pour l'intrigue d'été qui concerne le championnat national de pâtisserie. Évidemment, cela va faire venir des grands cuisiniers et pâtissiers de toute la France. Durant la compétition, son père va l'héberger. Le comédien affirme, Greg et Elliot vont quant à eux se retrouver embarqués dans cette aventure. Je ne dirai pas s'ils participent ou non, mais ils vont être touchés par ça. Il ajoute, l'intrigue de l'été qui va venir remuer certaines fondations de leur couple. Le problème d'asexualité d'Elliot va refaire surface. L'acteur confie, il va y avoir une petite tempête relative à plusieurs problèmes dont à nouveau la sexualité d'Elliot et cet équilibre qu'il n'y a pas vraiment sur ce plan-là. Une rupture choc pour Greg et Elliot. Par ailleurs, dans une autre interview accordée cette fois à Téléstar, Michael Mittelstadt annonce pour les intrigues de cet été, il y aura un petit peu d'intrigues mystérieuses, de disparitions, d'événements un petit peu inexpliqués. On appelle un peu ça un souviens-toi. L'été dernier revisité. Nicolas Anselmo, l'interprète d'Eliott, prévient, c'est une très grosse intrigue. Ça va dans tous les sens, c'est vraiment pas mal. On a eu des journées de dingue. Il y avait beaucoup de travail. Tandis que son partenaire à l'écran confirme, c'est ma préférée, je crois. C'est monstrueux. Ainsi, le couple Elliot-Greg, élu meilleur duo couple au Soap Awards 2021 par les lecteurs de toute la télé, pourrait se séparer. Ici tout commence à retrouver du lundi au vendredi à 18h30 sur TF1. Love.